Yo les potes, j'espère que vous allez bien, c'est Zoutrim, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Paladin pour parler des ranked 2.0, du coup ce nouveau patch qui arrive mercredi, le 9 août. Voilà, gros point positif pour Paladin, niveau e-sport et tout, implantation d'un système de ranked évolué, du coup le ranked 2.0, des paliers, des ranked à plusieurs et tout, ça va être beaucoup mieux. Maintenant il y a le système de ligue quoi, donc on va parler. On va faire un récapitulatif de tout ça. Ensuite, je vais vous montrer les nouveaux skins en soi et les emotes du patch. Et puis voilà. C'est surtout pour parler des ranked qui vont arriver, le fameux système 2.0. Du coup, vous allez avoir 7 paliers. Là, comme vous pouvez le voir, on est la saison 1, Fall Split. Il reste 178 jours avant la fin de la saison et de pouvoir passer sur la saison 2. Et je vais vous faire un récap de tout ça. Du coup, 7 paliers. Bronze, argent, or, platine, diamant, maître et grand maître. Et dans chacun de ces paliers, il y a 5 divisions. Enfin, de bronze à diamant, il y a 5 divisions. Donc bronze 1, 2, 3, 4, 5. Enfin, 5, 4, 3, 2, 1, parce qu'on commence toujours par le plus bas. Donc voilà, 5, 4, 3, 2, 1 par palier. Vous allez maintenant pouvoir faire des games de placement. C'est-à-dire pour les nouveaux joueurs, vous allez avoir 15 matchs de qualification avant d'être placé dans une division et leur placement il sera basé par rapport à la performance effectuée lors des parties, ce qui est normal. Petit plus également, maintenant il ne faut plus 12 champions de minimum niveau 4 pour pouvoir faire des ranked, mais il faut au moins être niveau 15 de profil et posséder au moins 12 champions. Il n'y a pas d'exigence de niveau de maîtrise pour les champions maintenant. Pour passer les paliers, du moins, oui, les paliers évoluer de 5, 4, 3, 2 à 1 pour monter et grind en elo, il va vous falloir gagner des TP, donc des Triumph Points, donc des points de triomphe. Plus vous allez gagner des games, plus vous allez gagner des TP, donc des points d'elo si vous préférez. Une fois que vous avez atteint 100 points, vous allez pouvoir passer un palier et ainsi de suite, et c'est comme ça que vous montez. De plus, vous avez des récompenses au fur et à mesure que vous jouez en ranked et que vous passez des divisions. Donc, vous pouvez jouer 25 parties compétitives pour recevoir un coffre d'armes, par exemple. Atteignez la division de niveau or 5 pour recevoir le skin épique de Drogoz, le Transformator, que je vous affiche là. Vous pouvez également remporter 100 parties compétitives pour recevoir l'arme épique de Drogoz. C'est Appendice de Transformator, je crois que c'est ça. Remporter 200 parties compétitives pour recevoir le titre Paré pour la bataille. Terminer la saison comme grand maître ou classé parmi les trois premiers de chaque classement. Et vous recevrez des récompenses en cristaux pour chaque saison. Donc voilà, en gros, ça force aussi les gens à faire de la ranked et à vraiment tag à fond et amener, on va dire, ce côté e-sport et ce côté au niveau de la compétition Paladin en avant. Sachez une chose, c'est que maintenant on peut tag à partir de 5. Comme vous pouvez le voir sur l'image de bronze à platine, vous pouvez, du coup il est possible de jouer avec des groupes de 5 joueurs maximum. Donc vous pouvez tag en team si vous voulez, de l'élo bronze à l'élo platine. Une fois que vous aurez passé le platine 1 et que vous allez être diamant 5, maintenant ce sera que de la duo queue ou de la solo queue. Comme vous avez connu avant avec Paladin. Et du coup de diamant à grand maître, Grandmaster. Vous allez pouvoir faire que de la duo ou que de la solo, ce qui n'est pas plus mal en soi, mais voilà, c'est plutôt cool quand même. Du coup, voilà, vous avez pas mal de trucs, vous pouvez encore remporter des coffres de champions, des coffres d'armes, le skin épique de Drogo, ça c'est pour la saison 1. Il y aura d'autres saisons, vous allez avoir d'autres titres et d'autres choses. Vous avez les cadres aussi que vous pouvez débloquer, ce qui est plutôt cool. Il y a pas mal de nouveautés, vraiment, vraiment beaucoup de nouveautés, et ça fait vraiment plaisir de voir ça. Je vais vous laisser avec un petit peu de musique, avec les skins et tout ce qui va arriver sur Paladin. N'hésitez pas à checker dans la description paladin-france.net et vous allez regarder le patch note de bêta ouverte de l'OB 56 des ranked 2.0 que les rédacteurs Paladin France ont fait. Vous avez tout en détail sur les ranked 2.0, sur les champions, les buffs, les nerfs, sur les quêtes à venir, sur les cartes, sur les coffres, sur les skins. Vous avez tout sur la customisation et tout. Donc voilà, gros, gros GG à eux en tout cas. Je vous laisse pour la fin de la vidéo et je vous dis à la prochaine pour la série du coup, qui commencera mercredi, la nouvelle série Road to Grandmaster, enfin Road to GM. Voilà, vous en saurez plus par la suite les bros. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée ou bonne journée, I don't know. Et à mercredi. Okay, ciao.